Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette troisième conférence du cycle que le Collège Belgique consacre aux origines de l'islam dans le cadre de la chaire des mondes francophones que j'ai l'honneur d'occuper cette année. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon collègue et ami le professeur Guillaume Di, professeur d'islamologie à l'Université libre de Bruxelles, où il est titulaire depuis 2016 de la chaire Islam, Histoire, Culture, Société. Depuis une quinzaine d'années, les travaux de Guillaume Di portent surtout sur les études coraniques et l'histoire des débuts de l'islam. Il est cofondateur et co-directeur du Early Islamic Studies Seminar. Il a notamment publié « Figures bibliques en islam », ouvrage publié en 2011, « Partage du sacré »,« Transfert »,« Dévotion mixte », »,« Rivalité interconfessionnelle », ouvrage publié en 2012, « Hérésie, une construction d'identité religieuse », publié en 2015. Et Guillaume est surtout le co-directeur de ce volume absolument sensationnel, le Coran des historiens, ouvrage qu'il a édité avec le professeur Mohamed Ali Emir Mouazi, publié aux éditions du CERF en 2019. Et ce livre a reçu le grand prix du meilleur livre 2020 de l'Institut du monde arabe. Et je vous confie que c'est maintenant mon livre de chevet. Guillaume Di vient de publier un ouvrage absolument fascinant, parce que je suis en train de le lire, donc je partage un peu avec vous mon enthousiasme à la lecture de cet ouvrage collectif, donc qui s'intitule The Study of Islamic Origins, New Perspectives and Contexts, ouvrage qu'il a édité avec un certain nombre de chercheurs et qu'il a publié l'année dernière, en 2021, à Berlin. Alors, ce soir, le professeur Guillaume Di consacre sa conférence à, comme le titre l'indique, à quelques questions sur, autour du contexte du Coran, dans laquelle il examinera ce qu'il appelle trois types de tensions entre le Coran et le contexte de la Mecque et Médine. Ces tensions recouvrent à la fois donc, les aspects socio-géographiques, socio-culturels et religieux. L'analyse de ces trois aspects ou de ces trois lieux de tension conduira sans doute notre orateur ce soir à des hypothèses et des conclusions audacieuses et stimulantes qui risquent de bouleverser notre connaissance des origines de l'islam. Sans plus tarder, nous t'écouterons, Guillaume, avec le plus grand intérêt et j'ai le plaisir de te céder la parole. Merci beaucoup, Hella, pour cette invitation. Merci beaucoup à vous tous d'être venus donc, réfléchir ensemble sur cette question des origines du Coran. J'ai en fait le plaisir de ce genre de conférence et que j'ai la possibilité de présenter à un public large, un public de non-spécialistes, en tout cas en partie, des réflexions qui seront en fait publiées dans quelques mois dans une revue scientifique. Mais enfin, d'ici là, si vous voulez avoir un peu l'état actuel de la recherche, cette conférence vous permettra donc de savoir sur quoi plusieurs chercheurs actuels, dont votre serviteur, travaillent. On peut aussi voir cette conférence comme une sorte de post-scriptum à plusieurs des chapitres que j'ai rédigés dans le cadre du Coran des historiens. Je vais donc être amené à reprendre parfois certaines choses qui ont été dites dans le volume 1 en particulier, mais à les développer et les approfondir pour chercher à en tirer des conclusions plus étayées ou éventuellement nouvelles. Bien, donc
La plupart des recherches menées sur le Coran depuis deux décennies ou trois ont abondamment insisté sur le fait que le Coran était un texte de l'Antiquité tardive, comme on le dit souvent, même si on peut se demander si cette formule « texte de l'Antiquité tardive » n'est pas en fait devenue un slogan un peu creux, dans la mesure où le Coran est un texte du 7e siècle et où le 7e siècle fait partie de la période définie comme étant l'Antiquité tardive, on peut légitimement se demander ce que le Coran pourrait être d'autre qu'un texte de l'Antiquité tardive. Alors, il faut préciser un peu l'idée qui est derrière cette formule, c'est tout de même le fait qu'il convient de comprendre et d'interpréter le Coran, non pas de façon isolée, comme une sorte de texte unique en son genre et né de nulle part, mais comme un texte en dialogue avec les principales traditions religieuses du Proche-Orient tardo-antique. Et ce point-là est, me semble-t-il, tout à fait acquis et pertinent. Le fait que le Coran reflète, reprenne, se réapproprie, discute, le cas échéant, critique ou subvertisse les traditions bibliques vivantes, juives et chrétiennes du Proche-Orient tardo-antique, est un fait généralement admis. On trouve en effet dans le Coran de nombreux récits mettant en scène des personnages appartenant au corpus biblique et parabiblique, ainsi que des références constantes à des thèmes centraux de ces corpus, l'eschatologie, tout ce qui concerne le jugement dernier et la fin des temps, l'unicité de Dieu, les polémiques contre les incroyants et les idolâtres, les thèmes de la création, de la providence, de la miséricorde divine, les thèmes de la prophétie ou de l'alliance. Tout cela s'ajoute au fait que les personnages les plus souvent mentionnés dans le texte sont des personnages bibliques. Moïse est le personnage le plus souvent cité, Abraham, Adam, Noé, Jésus le sont également très souvent. Marie est plus souvent citée dans le Coran que dans l'ensemble de tout le Nouveau Testament. On rencontre aussi dans le Coran des textes dont le style ou le contenu rappelle les psaumes, par exemple la sourate 55 ou les 30 premiers versets de la sourate 16. Ainsi, comme l'avait remarqué en son temps Anton Baumstark, des formules liturgiques qui évoquent les liturgies juives et chrétiennes. Enfin, je renvoie là par exemple au chapitre de David Powers dans le volume 1 du Coran des historiens, la culture légale du Coran s'inscrit à divers égards dans celle du judaïsme et du christianisme. Alors cette insistance sur la culture biblique du Coran ne nie pas le substrat arabe pré-islamique, mais le situe dans une perspective différente de celle qui est impliquée par les récits de la tradition islamique. On peut donc, me semble-t-il, suivre mon collègue et ami Stephen Shoemaker quand il propose de décrire le Coran comme un écrit apocryphe biblique arabe. Alors, je parlerai personnellement plutôt d'un corpus apocryphe arabe pour insister sur la multiplicité des genres littéraires présents dans le Coran et sur l'idée que le Coran rassemble des textes d'origine plus variée qu'on ne le pense parfois. Mais la définition que propose Shoemaker dans l'ouvrage collectif dont Hella Wardi a dit beaucoup de bien à la fin de sa communication, de sa présentation, caractérisation que donne Shoemaker me paraît entièrement justifiée. Dans cette caractérisation, Shoemaker est en fait en train de prendre position par rapport à une remarque de Théodore Nöldeke qui avait dit que le Coran était un texte unique en son genre, en fait, qu'il n'appartenait à aucun genre, qu'il n'y avait rien de comparable dans l'ensemble des littératures existantes aux textes coraniques. Grâce à de nombreux arguments et réflexions pertinentes, je crois que Shoemaker montre bien que la manière la plus juste de qualifier le texte coranique est bien effectivement de parler de corpus apocryphe ou d'écrit apocryphe biblique arabe. Notez bien que la notion d'apocryphe n'est pas une notion péjorative. Il n'y a rien de péjoratif dans la notion d'apocryphe. Simplement, c'est l'idée qu'on a affaire à des textes anonymes ou pseudépigraphes qui maintiennent un lien, une connexion avec les livres du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, parce qu'ils sont consacrés à des événements décrits ou mentionnés dans ces livres, ou parce qu'ils sont consacrés à des événements qui ont lieu
à la suite des événements décrits ou mentionnés dans ces livres ou parce qu'ils se concentrent sur des personnes apparaissant dans ces livres. Si vous regardez le texte coranique et à quoi il ressemble, évidemment, cette définition fonctionne très bien. Il est important aussi à ce sujet de rappeler que dans la recherche actuelle sur la littérature apocryphe, notamment apocryphe chrétienne, mais pas uniquement, on est sorti du modèle qui était dominant il y a peut-être une cinquantaine d'années et qui réservait le qualificatif d'apocryphe à des textes datant des deux ou trois premiers siècles de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, la question de la date du texte n'a plus vraiment de pertinence par rapport au fait qu'on le catégorise comme apocryphe. Et de ce point de vue, par exemple, de la même manière que le Coran est un écrit apocryphe biblique arabe du 7e siècle, eh bien, par exemple, le livre des Mormons est un écrit biblique apocryphe américain du 19e siècle. Ce n'est pas tout à fait par hasard que je me permets de mettre en parallèle le Coran et le livre des Mormons. Les personnes qui sont intéressées par le comparatisme peuvent, je pense, se faire un peu les dents, si je puis dire, sur les comparaisons entre ces deux genres de corpus. Donc c'est un avis, éventuellement une suggestion pour les étudiants s'ils cherchent à faire des petites recherches personnelles. Alors ce lien avec le judaïsme et le christianisme, le fait que beaucoup, que l'immense majorité du texte coranique, d'une manière ou d'une autre, a des liens avec le judaïsme ou le christianisme, avec ses traditions bibliques et parabibliques, ce lien ne vaut pas que sur un plan quantitatif. Il est aussi remarquable sur un plan qualitatif, je dirais, puisque le texte coranique témoigne, dans certaines strates au moins, d'une connaissance précise des traditions et arguments juifs et chrétiens que le Coran, évidemment, utilise selon ses propres perspectives rhétoriques. La question maintenant, évidemment, qu'on peut se poser, étant donné ce lien particulier et établi, je dirais, que le Coran entretient avec ses traditions et littératures, mettons tradition pour rester plus large et penser également aux transmissions orales et pas simplement à des textes. Une fois donc qu'on a reconnu ce lien très étroit entre le Coran et les traditions juives et chrétiennes, la question devient, quelles sont les théories et les modèles qui peuvent rendre compte du contexte du Coran ? Alors il y a une première approche dont je parlerai très peu parce qu'elle me paraît aboutir à une impasse et présenter souvent des lectures très arbitraires. Mais une première approche consiste à minorer considérablement les éléments du Coran qui le rattachent aux courants religieux principaux du Proche-Orient de la fin de l'Antiquité et à prendre pour point de départ une certaine idée de l'Arabie pré-islamique pour tout interpréter en conséquence. C'est une approche qui règle de façon a priori la question du contexte. Le Coran est simplement vu comme le reflet de la prédication de Mohammed dans les sociétés définie comme tribale de la Mecque et de Médine. Vous voyez à peu près à quel type d'approche je fais référence, celle de Jacqueline Chabbi pour ne pas la nommer. Alors j'ai la plus grande sympathie pour l'anthropologie historique et l'usage des outils des sciences sociales dans l'étude des textes anciens, mais il conviendrait que dans ce type d'approche, les outils tirés des sciences sociales soient pertinents, ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'approche à laquelle je fais référence, et surtout que le texte soit abordé de façon suffisamment critique, en prenant au sérieux aussi bien la critique des sources que la critique des formes et la critique de la rédaction. Je laisse de côté cette approche-là, mais on y reviendra peut-être durant les questions si vous le souhaitez. Une deuxième stratégie, qui est un peu la stratégie inverse, si vous voulez, soutient que, puisque le Coran est en dialogue avec les traditions juives et chrétiennes, eh bien, forcément, il naît dans un contexte de fortes interactions avec les juifs et les chrétiens, ce qui est une conclusion qui paraît parfaitement légitime. Mais, si l'on part également du principe que le Coran est né en Arabie occidentale et reflète l'expérience de la communauté autour de Mohammed à la Mecque et à Médine entre 610 et 632, on devra en déduire, dans le cadre en tout cas de ce type d'approche, que l'Arabie occidentale était donc à l'époque amplement judaïsée et christianisée. Autrement dit, alors que dans la première stratégie, c'est une certaine conception du contexte, polythéiste, tribal, etc., qui dictait ce que devait dire ou ce que ne pouvait pas dire le Coran, ici,
c'est le contenu du Coran qui est censé nous renseigner directement sur l'Arabie occidentale au 7e siècle, et notamment sur la Mecque et Médine. Or, ces approches me semblent faire preuve d'une forme de dogmatisme en présupposant que nous saurions où, quand et comment est né le Coran. Et ce que je voudrais un peu faire, c'est vous pousser à ne pas présupposer que l'on connaît la réponse à l'avance. Or, si l'on regarde de plus près ce que le Coran lui-même laisse transparaître du contexte de sa genèse et de sa production, les choses sont beaucoup moins claires. Comme le note Michael Cook, en ne se fondant que sur le Coran, on pourrait, je cite, « probablement déduire que le protagoniste du Coran est Mohammed, qu'il a vécu en Arabie occidentale et qu'il en voulait amèrement à ses contemporains qui récusaient ses prétentions à la prophétie. Mais on ne pourrait pas dire que le sanctuaire se trouvait à la Mecque, ni que Mohammed lui-même venait de là, et on ne pourrait que supposer qu'il s'était établi à Yathrib. » Yathrib étant l'ancien nom de Médine. Alors ces remarques sont assez pertinentes, au moins en partie, mais en réalité, elles sont même quelque peu optimistes. En ne se fondant que sur le Coran, pourrions-nous déduire par exemple que le principal protagoniste est Mohammed, dont le nom n'est mentionné que 4 ou 5 fois? Alors évidemment, très souvent, le Coran, le texte coranique, s'adresse à un « tu » qui n'est pas nommé, et que la tradition islamique et beaucoup d'orientalistes, de manière tout à fait automatique, identifient à Mohammed. Mais en réalité, ça ne va absolument pas de soi. Par ailleurs, on verra un peu plus loin que qu'on ne peut pas vraiment aussi facilement tirer la conclusion que les scènes se passent en Arabie occidentale. Ça ne veut pas dire que Mohammed n'y était pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, ça rappelle effectivement à quel point, à partir du texte coranique seul, il est très difficile de tirer des renseignements précis sur le contexte de production de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, ces remarques de Michael Cook soulèvent une question plus profonde. Admettons que la carrière de Mohammed se soit déroulée en Arabie occidentale autour de la Mecque et de Médine. C'est un point que je ne remettrai pas en cause par la suite. Et quoi qu'il en soit, il me paraît très compliqué et aventureux de remettre en cause la période médinoise. Sur la Mecque, c'est beaucoup plus obscur, pour être tout à fait honnête. Mais sur Médine, l'importance de Médine peut difficilement être surestimée et elle est clairement attestée très tôt. Donc, admettons que la carrière de Mohammed se soit déroulée en Arabie occidentale autour de la Mecque et de Médine. S'ensuit-il que le Coran, dans sa totalité, relève du contexte de l'Arabie occidentale? Cela ne va en fait nullement de soi. Cela est une conséquence l'idée que la carrière de Mohammed se déroule en Arabie occidentale uniquement si on adopte certains présupposés ou certaines thèses dont je tâcherai de vous montrer qu'elles ne doivent pas être acceptées. Et donc pour mieux comprendre ce point, pour mieux comprendre le fait qu'il y a un saut dans le raisonnement entre la thèse « la carrière de Mohammed s'est déroulée en Arabie occidentale, le Coran relève uniquement du contexte de l'Arabie occidentale », je vais m'efforcer de présenter, de relever quelques tensions entre le texte coranique et son contexte supposé. Trois types de tensions. Ces tensions concernent ce que j'appellerai le contexte géographico-social. Premier type de tension, ce n'est pas forcément celui sur lequel on passera le plus de temps, mais il est important de le noter. Deuxièmement, le contexte religieux et en particulier la question de l'arrière-plan chrétien. Et troisièmement, le contexte socioculturel avec la question de la littératie, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'écrit. Ces questions, ces tensions ne portent pas sur des questions marginales ou secondaires, et à de nombreux égards, elles sont en réalité bien documentées. Donc je ne vais les rappeler, je vais rappeler l'essentiel si vous voulez, mais ce qui va m'intéresser avant tout, c'est le genre de modèle qui peut être mobilisé pour résoudre les difficultés
ainsi soulevée. Alors, concernant la question du contexte géographique et social, il convient de revenir à un article majeur de Patricia Krohn, une très grande savante danoise, décédée en 2015, à qui on doit de très nombreux travaux. J'ai mis en évidence sur la diapositive son ouvrage de 1987 sur le commerce mécois, qui est un ouvrage assez classique dans lequel elle montre, je pense avec de très solides arguments, que l'idée selon laquelle la Mecque était le centre d'un prospère, d'un commerce international, est une idée qui relève plus du mythe que de la réalité. Et puis un article paru en 2005, hein, comment est-ce que les païens coraniques gagnaient leur vie, qui met en évidence des questions que je qualifierais de particulièrement intéressantes. Dans cet article, Patricia Krohn montre que de nombreux passages du Coran reflètent apparemment un contexte géographique et social qui ne correspond pas à ce que nous pouvons supposer de la Mecque et de Médine. Ainsi, les mouchrikounes, les associateurs, ce qu'on traduit parfois par les polythéistes, allusion aux polythéistes mécois, donc les opposants supposés mécois à l'allocuteur coranique, sont régulièrement décrits comme des agriculteurs et des éleveurs. Vous avez ici les passages, hein, qui labourent, cultivant des palmiers et des vignes, et labourant, ce qui donc suggère que des céréales sont cultivées. Il est aussi question d'olives et de grenades. Les références à un univers d'agriculteurs et d'éleveurs abondent dans les passages parénétiques. Dire que ces références agricoles concernent d'autres lieux que la Mecque, comme par exemple Taïf, où les Mécois auraient possédé des jardins, ne constitue pas une explication satisfaisante pour les mentions des graines et des olives qui ne sont pas censées pousser dans le climat de Taïf. On peut aussi ajouter les nombreuses références à la pêche et à la navigation, sujet sur lequel Julien de Charneux a d'ailleurs publié récemment un article. Ce qui étonne donc quand on sait que la Mecque et Médine se situent quand même à une distance non négligeable de la mer Rouge. Et l'un des passages les plus étonnants est ce passage de la sourate 7, qui parle de ceux qui ont transgressé le sabbat en pêchant. Alors, l'exemple ne fait sens apparemment que s'il s'agit de juifs, et donc si les destinataires du message sont familiers des pratiques juives, ce qui cadre mal avec le contexte mécois supposé de ce verset. Comme le note Nicolas Sinaï, qui en fait est l'un des, je dirais, le défenseur le plus sérieux et honnête du paradigme traditionnel, donc comme il est le défenseur justement le plus sérieux actuellement, je pense, de ce paradigme, je vais être amené à le citer pour qu'on puisse discuter vraiment sur les éléments les plus profonds, les radicaux de la discussion. Comme note Nicolas Sinaï, on pourrait répondre de manière pertinente que les descriptions coraniques du monde naturel comportent une profonde empreinte psalmique, ce qui rendrait simpliste de les comprendre comme un reflet fidèle de l'environnement immédiat du Coran. Et il est vrai qu'une explication possible, par exemple des mentions de l'agriculture ou autres dans le cadre des passages parénétiques, peut s'expliquer par la reprise de Topoï tirée des psaumes. Cependant, continue-t-il, il ne semble pas satisfaisant de maintenir l'idée que les références nombreuses et parfois hautement spécifiques que le Coran fait aux phénomènes naturels sont exclusivement dues à une reprise de Topoï littéraire et sont dépourvus de tout lien avec son habitat proche. Autrement dit, bon, on peut peut-être expliquer certains éléments du Coran
par, on va dire, des conventions littéraires, mais ça devient un peu, mais c'est quand même difficile de le faire pour l'ensemble du texte. Alors on peut évidemment s'interroger sur les raisons qui poussent à utiliser un certain répertoire d'exemples quand ceux-ci ne constituent pas les éléments les plus saillants du quotidien de l'audience. Alors je m'empresse de noter qu'il y a aussi dans le texte coranique des lieux communs, des topoi, des références qui cadrent avec l'idée selon laquelle, par exemple, on aurait affaire à des commerçants. Les métaphores commerciales, par exemple, sont nombreuses également dans le Coran. Elles peuvent être aussi dues, d'ailleurs, soit en passant, à des reprises de topoi littéraires aussi. Mais la question n'est pas, je dirais, les éléments qui cadrent, qu'il faut évidemment prendre en compte, mais la question est de savoir ce que l'on fait des éléments qui ne cadrent pas. Un autre exemple particulièrement frappant est ce passage de la sourate 37. Disons-le, « En vérité, Lot fut au nombre des envoyés, quand nous le sauvâmes, lui et sa famille en entier, à l'exception d'une femme restée en arrière, puis nous anéantîmes les autres. En vérité, vous passez sur eux le matin et la nuit, ne raisonnerez-vous pas ?» Passage très curieux, puisque les destinataires du message sont censés, donc, s'ils passent le matin et la nuit près de ces ruines, vivre à proximité de ces ruines, et donc vivre à proximité de Sodome et Gomorre, à savoir vivre à proximité de la mer morte, ce qui ne cadre pas tout à fait avec le contexte mécois supposé de ce verset. Alors, l'explication qui a été donnée dans la tradition islamique est que ce verset date effectivement de l'époque mécoise, mais qu'il a été révélé lors des expéditions en caravane de Muhammad et de ses compagnons en Palestine. Alors c'est une réponse qui est à la fois irréfutable et improuvable, hein, qui relève de la foi, je dirais, mais qui pose quand même un problème, à savoir que cela suppose que les Mécois s'adonnaient à un commerce international, y compris en Palestine, ce qui paraît malgré tout peu probable au vu des arguments précisément exposés par Patricia Krohn dans son ouvrage de 1987. Alors, il est vrai que depuis cet ouvrage, Krohn a suggéré que les besoins en cuir de l'armée romaine auraient pu stimuler un commerce dans lequel les Mécois auraient pris part. Je dis bien « auraient pu stimuler un commerce dans lequel les Mécois auraient pris part ». Cependant, ce qu'on pourrait dire, c'est que si ces besoins ont pu avoir une influence notable sur les régions frontalières de l'Empire, c'est pas exclu du tout, l'idée que les Mécois eux-mêmes y participaient reste parfaitement hypothétique. Surtout, à supposer qu'ils y étaient impliqués, rien ne dit qu'ils entreprenaient de longs voyages jusqu'en Syrie ou Palestine et qu'ils ne vendaient pas leurs produits à des intermédiaires situés à l'intérieur même de la péninsule arabique. Il n'y a par ailleurs, c'est un point que je note, alors on se demande parfois toujours comment les archéologues parviennent à des conclusions, mais enfin, on est là sur les résultats de travaux archéologiques sérieux tout de même, mais il n'y a par ailleurs, dans l'état actuel de nos connaissances, sachant quand même que le Néguef a été beaucoup fouillé, il n'y a par ailleurs aucun indice archéologique dans le Néguef d'un commerce à grande échelle entre l'Arabie et la Méditerranée à l'aube de l'islam. Par ailleurs, une étude récente, qui n'est pas encore parue, mais qui ne devrait pas tarder à paraître, fondée sur divers arguments et éléments, mais une étude récente, on va dire, estime le peuplement de la Mecque à l'époque de Mohammed à une échelle de 5 à 600 personnes, soit entre 125 et 150 hommes adultes et combattants potentiels. Donc on est loin d'une grande cité commerciale internationale. Cette étude est la plus récente et la plus sérieuse. J'avais demandé il y a quelques années à Christian Robin son estimation personnelle, on va dire un peu au doigt mouillé, de la population de la Mecque à l'époque de Mohammed. Il m'avait dit, en comptant femmes, enfants, esclaves, vieillards, tout ce qu'on veut, 1000 grands maximum. Donc on est quand même plutôt sur un peuplement qui est supposé, pour tout un ensemble de raisons, être de l'ordre de 5 à 600 personnes.
Donc l'idée selon laquelle il s'agissait d'une cité opulente engagée dans un commerce international paraît assez fantaisiste. Sinaï, qui est sans doute le défenseur le plus honnête et sérieux, comme je l'ai dit, du paradigme traditionnel, reconnaît parfaitement les problèmes posés par les différents éléments que je viens de mentionner. Mais il écrit dans un passage que je trouve extrêmement révélateur, et c'est précisément parce que le passage est révélateur que je voudrais le citer et le discuter. Mais finalement, dit-il, les espoirs d'identifier, et l'italique, alors j'ai l'italique sur mon texte, mais pas sur, pas sur la diapositive, donc le mot que je vais dire maintenant, je voudrais le souligner vraiment. Donc finalement, les espoirs d'identifier une alternative convaincante à la localisation hijazi traditionnelle, et les espoirs d'expliquer pourquoi et comment le véritable lieu de naissance du Coran aurait été si complètement oblitéré de la mémoire historique islamique, ces espoirs sont peu prometteurs, pour dire le moins. On peut se demander, et c'est la question que je veux poser, sur laquelle je veux attirer votre attention, on peut se demander pourquoi Sinaï part du présupposé qu'il devrait y avoir une localisation à l'exclusion d'une autre. Pourquoi devoir relocaliser l'ensemble du Coran, et donc l'ensemble de la carrière de Mohammed, parce que certains passages ne correspondent pas à la localisation initialement supposée. C'est là la conséquence, en fait, de l'idée que le Coran est le pur reflet, ou quasiment le pur reflet, de la prédication de Mohammed et de ses interactions avec sa communauté, ce qui est effectivement le dogme central de ce que j'appellerais l'école berlinoise dans les études coraniques. Évidemment, si le Coran est envisagé comme étant le pur reflet de la prédication de Mohammed et de ses interactions avec sa communauté, changer ou multiplier la localisation du Coran implique de changer ou de multiplier la localisation de la prédication de Mohammed, avec toutes les difficultés, bien sûr, que cela comporte. Mais si on ne partage pas ce présupposé, qui à mon avis est en fait un présupposé tout simplement, le problème se pose en des termes bien différents. J'en viens maintenant au deuxième élément de tension, qui est le contexte religieux. Alors, on va y passer un peu plus de temps parce que on va dire les choses comme elles sont, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Il y a un gros éléphant dans la pièce, c'est celui-là. Il y a un éléphant moyen qui est le troisième, la troisième tension dont je parlerai un peu plus loin. Et puis, il y a quelques petits éléphantaux dont ceux dont je viens de parler à l'instant. Donc, un petit troupeau d'éléphants dans la pièce. Et il faut prendre un peu au sérieux la présence de ces pachydermes. Donc, premier point, et qui est, on va dire, une conclusion assez nette quand on examine sérieusement le texte coranique. Le Coran suppose très souvent un contexte ou un arrière-plan chrétien. Par contexte ou arrière-plan chrétien, on peut vouloir dire des choses très différentes et des faits qui peuvent recevoir des explications différentes. Mais il faut au moins reconnaître un certain nombre de choses qui doivent être expliquées. Bon, premièrement, des personnages coraniques importants sont des personnages typiquement chrétiens. Jésus, Marie, Jean, Zacharie, bon, qui historiquement sont tout ce qu'il y a de plus juif, mais ils ne sont pas devenus des personnages de la tradition juive, ils sont des personnages des traditions chrétiennes. Donc, non pas les individus historiques, mais les personnages sont des personnages chrétiens. Jésus, Marie, Jean, Zacharie, les dormants de la caverne, ce sont des personnages chrétiens. Ils jouent un rôle important dans le Coran. Ce n'est pas les personnages les plus souvent mentionnés, mais ils jouent un rôle important dans le Coran. Deuxièmement, et c'est un point qui a été, dont on a pris conscience relativement récemment, je veux dire sur ces 15 dernières années peut-être à peu près, assez souvent, lorsque les récits coraniques se réfèrent à des figures partagées par les juifs et les chrétiens, on va dire les figures de la Bible hébraïque, Adam, Joseph, le Joseph de la Genèse, Moïse, etc.
En général, assez souvent, quand les récits coraniques se réfèrent de telles figures, ils semblent refléter plus étroitement les récits chrétiens que les récits juifs, pour autant qu'on puisse savoir. En bref, les sous-textes, si l'on veut, de nombreuses histoires dans le Coran, sous-textes qui présentent des détails, des variations par rapport, par exemple, au texte biblique, dont le Coran est plus proche, ou dont le Coran est particulièrement proche. Donc les récits, les sous-textes de nombreuses histoires dans le Coran ont tendance à être plus proches des textes chrétiens que des textes juifs, pour autant que nous le sachions, bien sûr. Donc là, je parle essentiellement des éléments narratifs dans le Coran, si vous voulez. Alors, cela n'exclut évidemment pas la présence d'éléments plus spécifiquement juifs, hein, mais il se trouve que, contrairement à une position traditionnelle chez les savants occidentaux, depuis Geiger, par exemple, qui considérait que les histoires sur les personnages bibliques devaient forcément venir de tradition juive, on se rend compte aujourd'hui que, de manière générale, on trouve plus facilement des éléments communs avec des traditions chrétiennes. Troisième point, certains arguments rhétoriques du texte coranique sont directement empruntés au christianisme. Les polémiques anti-juives, par exemple, du Coran, évidemment, elles ne sont pas empruntées au judaïsme, même s'il y a à l'intérieur même du judaïsme, on le sait, une sorte parfois de polémique anti-juive, mais beaucoup de polémiques anti-juives du Coran, par exemple, évoquent fortement des choses que l'on peut retrouver dans les polémiques anti-juives chrétiennes de la fin de l'Antiquité. Ça passe aussi parfois par l'usage rhétorique du personnage d'Abraham. Ça vaut aussi pour la démonologie. La conception coranique des démons a énormément d'affinités avec les conceptions chrétiennes et apparemment, semble-t-il, moins avec des conceptions juives, en tout cas dans les cas où on peut distinguer les conceptions chrétiennes et juives. On peut ajouter également, c'est un point très important, que même s'il y a des éléments qu'on retrouve dans le judaïsme, mais que toute chose, tout compte fait, l'eschatologie et la cosmologie coranique doivent énormément au christianisme syriaque. On retrouve, si on compare les sourates eschatologiques, les brèves sourates dites mécoises de la fin du corpus coranique avec les homélies eschatologiques de Narsaï ou Jacques de Sarroug, énormément d'affinités, et en termes de cosmologie également pas mal d'affinités. Quatrième point, qui n'est pas le plus, on va dire, le plus décisif, mais que je mentionne, de nombreuses formules et diverses formules et métaphores employées dans le Coran suggèrent plutôt un arrière-plan chrétien. C'est-à-dire quand on trouve, par exemple, des métaphores bibliques, elles viennent plutôt du Nouveau Testament que de l'Ancien, bien que le Coran puisse les utiliser, ces métaphores et formules, en les déchristianisant et à des degrés divers. J'ajoute encore un point supplémentaire concernant l'onomastique des personnages bibliques, c'est-à-dire les noms en arabe des personnages bibliques du Coran. Dans pas mal de cas, dans plusieurs cas, on peut plutôt suspecter ou soupçonner une origine chrétienne que juive. Bon. Tous ces éléments-là, en fait, je vous les ai présentés pour vous dire que je ne vais plus trop en parler parce que ce n'est pas vraiment cela qui m'intéresse. Ces éléments-là sont importants. Il y a plusieurs manières possibles de les expliquer. Parmi les manières possibles de les expliquer, il y a bien sûr l'idée d'une transmission, d'une dissémination orale. C'est pas exclu. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les deux éléments qui viennent. Et donc, ces deux éléments, je les mets à part parce que ils ne peuvent pas forcément s'expliquer aussi facilement par la dissémination. Enfin, ils ne peuvent pas s'expliquer du tout par la dissémination orale telle qu'on l'entend habituellement. Donc, points 5 et 6. Certains textes du Coran s'adressent clairement aux chrétiens, ont, je dirais, les chrétiens clairement en ligne de mire, et attestent des interactions profondes entre les croyants, les mouminoun, c'est le terme par lequel ce que l'on appelle les musulmans se désignaient à l'époque, le terme muslim est effectivement présent dans le Coran, mais il n'a pas un rôle de terme d'autodésignation.
le terme par lequel semble, l'un des termes, le terme principal ou l'un des deux termes par lequel, semble-t-il, les partisans de Mohammed se désignaient initialement, et bel et bien, semble-t-il, le terme moumin, qu'on traduit par croyant, qu'on pourrait traduire par fidèle ou affidé, bon, comme on veut. Mais donc ces textes-là attestent d'interactions entre croyants, entre les croyants et les chrétiens. Plus précisément, ils s'adressent avant tout aux croyants dans des contextes soit de recherche de convergence, soit de polémique avec les chrétiens. Ce qui veut dire, et c'est le point très important, que la présence des chrétiens dans la société, comme une communauté constituée, apparaît donc comme une réalité fondamentale dans la vie du groupe des croyants. Et ce qui veut dire aussi que la nature des relations positives ou négatives entre les croyants et les chrétiens varie selon les passages. Ça, c'est le point 5 qui est très important, parce qu'il révèle un contexte socioculturel et religieux particulier. Et par ailleurs, certains textes coraniques, alors c'est le cas de beaucoup, j'ai mis 4 sourates comme exemple, parce que j'ai particulièrement travaillé sur celle-là dans le passé, mais en réalité, on peut en ajouter beaucoup. Mais certains textes coraniques, et en plus elles sont longues, ce qui est un point important, ce n'est pas des textes brefs par-ci, par-là. Mais par exemple, les sourates 3, 5, 18 et 19 ont visiblement été composées, ou plutôt dans le processus de genèse et de composition de ces sourates, il apparaît que des lettrés ont été impliqués, des lettrés qui affichent ou qui affichaient une connaissance profonde et précise des textes et traditions chrétiennes, connaissance qui ne peut pas être acquise par simple ouï-dire. Quand vous travaillez sur le profil du rédacteur de ces textes, alors évidemment, il ne faut pas partir nécessairement d'une vision trop romantique de la notion d'auteur, mais quand vous regardez les connaissances qui sont impliquées pour qu'on arrive à faire un texte, par exemple, comme la sourate 19, dans laquelle vous avez une connaissance extrêmement précise de traditions mariales chrétiennes qui sont très directement localisées autour de Jérusalem, traditions qui sont très intelligemment combinées et recombinées par la sourate. Quand vous avez dans cette même sourate, par exemple, un jeu de mots sur le nom en arabe de Jean, et c'est un jeu de mots qui est fait sur le nom de Jean en hébreu ou en araméen. Si vous regardez les versets 12 et 13 de la sourate 19, il est dit que Dieu, donc on avait un texte qui fait un peu l'éloge de Jean-Baptiste, et il est dit que Dieu a donné donc à Jean un hanan venant de nous. Le terme hanan, qui est un apax dans le Coran, c'est-à-dire un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans le corpus, n'est pas là par hasard, il veut dire grâce, tendresse. Bon, c'est un champ sémantique qui est assez large. Jean en arabe dans le Coran, c'est Yahya. Donc le terme Hanan et Yahya, on ne voit pas trop le rapport, mais quel est le nom de Jean en hébreu? C'est Yohanan, Yo, Dieu. Hanan, Dieu est Hanan, Dieu est grâce, Dieu est tendresse. Et l'usage dans ce verset, par exemple, d'un jeu de mots sur la version, non pas en arabe, mais en hébreu, en araméen, du nom de Jean, est quand même quelque chose qui mérite considération et peut donner matière à réflexion sur le profil des gens impliqués dans la constitution de ce texte. Donc voilà ces deux points qui sont particulièrement importants. Or, et c'est là le point important, le Coran est supposé avoir son origine dans un contexte, l'Arabie occidentale du 7e siècle, où selon toute vraisemblance, la présence chrétienne semble marginale. Je m'explique. On a depuis longtemps, effectivement, compris que la péninsule arabique n'était pas une terre, entre guillemets, d'ignorance, coupée du monde, païenne, entre guillemets, ou polythéiste à l'aube de l'islam. On a effectivement, depuis plusieurs décennies, compris l'importance de la
présence juive et chrétienne dans la péninsule arabique à l'aube de l'islam, parfois depuis très longtemps. Hein, la présence juive en Arabie du Sud date même d'avant, d'avant l'ère commune. Mais on a quand même une différence géographique entre ce que j'appellerais le Hijaz central, grosso modo cette zone qui est marquée par la Mecque et par Médine, et le reste de l'Arabie. On sait que le christianisme était présent en Arabie, mais cela n'implique pas qu'il était également répandu dans toute l'Arabie, et notamment dans l'Arabie occidentale. Il n'y a à l'heure actuelle, je me permets de le signaler parce que c'est important, aucun indice en ce sens. Il n'y a pas de vestiges d'église ou de monastère au sud d'une ligne entre Ayla et Kilwa. Au sud de Raqqaba, si vous voulez, on n'a plus de monastère ou de ruines d'église. Alors, beaucoup plus au sud, à partir de Najran et plus au sud, on en a de nouveau. Mais entre les deux, on n'a rien. On attend d'éventuelles inscriptions, qui ne prouvaient pas forcément d'ailleurs la présence chrétienne, mais c'est autre chose. Il n'y a pas non plus d'indices dans les sources littéraires chrétiennes. Il n'y a aucune mention d'évêques dans les synodes et conciles, ni de récits hagiographiques mentionnant des saints dans cette région. Alors que pour tout le reste de l'Arabie, nous avons une convergence d'indices. Que ce soit l'Arabie du Sud, beaucoup plus au nord-ouest dans le monde Jafnide, au nord-est dans le monde Nasride ou sur la côte orientale de l'Arabie, nous avons à la fois des vestiges archéologiques, églises ou monastères, suffisamment d'inscriptions, des mentions dans les actes des synodes et conciles au VIe siècle de la présence d'évêques, par exemple, ou de prêtres, et aussi, le cas échéant, pas toujours mais de temps en temps, des figures de saints dans la littérature hagiographique. Autrement dit, pour une partie importante de l'Arabie occidentale, nous avons une convergence d'indices attestant une présence chrétienne à l'époque, au début du 7e siècle. En revanche, pour la zone qui nous intéresse en priorité, donc cette partie centrale, ce cœur de l'Arabie occidentale, nous avons une convergence dans l'absence d'indices. Alors, il est vrai que l'absence d'un indice n'est pas forcément l'indice d'une absence, mais la différence est assez frappante en termes, je dirais, d'éléments et de connaissances que nous avons entre l'Arabie occidentale et le reste de la péninsule arabique. J'y reviendrai parce que c'est un point bien sûr très important. Ce qui nous amène à un premier paradoxe. Voici quatre propositions qui ne peuvent pas être acceptées toutes les quatre, sauf à vouloir se contredire. À savoir que des couches substantielles du Coran ont un arrière-plan chrétien, et par là j'entends l'arrière-plan chrétien notamment au sens où on le trouve dans les points 5 et 6 mentionnés précédemment, à savoir présence de communautés chrétiennes, implication de personnes, de lettrés, qui ont une connaissance fine et précise des traditions chrétiennes. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est le Coran n'est que le reflet de la prédication de Mohammed. La troisième, la carrière de Mohammed s'est déroulée en Arabie occidentale. La quatrième, la présence chrétienne en Arabie occidentale était au mieux marginale. On ne peut pas, vous voulez, avoir ces quatre propositions ensemble. Alors, les philosophes parmi vous, s'il y en a, connaissent peut-être le livre brillantissime, abominablement compliqué, de Jules Vuillemin, « Nécessité ou contingence » sur la pourrie de Diodore, ouvrage de 1984, dans lequel Vuillemin discute ce qu'on appelle l'aporie de Diodore ou l'argument dominateur. Je ne vous en parle pas ici, ça serait une longue digression. Et fait en fait une sorte de classification des systèmes philosophiques selon la prémisse ou le principe de l'argument de Diodore que les philosophes ont abandonné. Et on peut ainsi, selon Vuillemin, classer la totalité des systèmes philosophiques en cinq catégories. Ici, je dirais que les principales théories ou modèles sur le contexte du Coran peuvent se classer, se déterminer selon la proposition de ce paradoxe que l'on choisit d'abandonner. Alors, par exemple, la première stratégie dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure,
entendra nier la première proposition, disant non, c'est les interprètes qui d'eux-mêmes voient dans le Coran des éléments chrétiens qui n'y sont pas, ça s'explique autrement. Bon, c'est une hypothèse qui me paraît personnellement tout à fait désespérée, mais c'est une hypothèse qui est faite. On aura donc certains systèmes, certaines théories et modèles qui vont proposer de rejeter la proposition 1, et évidemment, par contre, les propositions 2, 3 et 4 sont cohérentes entre elles. On va avoir d'autres auteurs qui vont dire « mais on doit rejeter la proposition 3 ». On doit dire que ce n'est pas du tout certain que la carrière de Mohammed soit déroulée à la Mecque et à Médine. Je pense qu'on peut discuter longtemps sur la Mecque, sur Médine c'est beaucoup plus compliqué quand même. Donc ça pose quand même quelques problèmes. Et puis vous avez certains qui vont dire « il faut rejeter la proposition 4 ». Je vais y revenir. Je pense que vous avez compris que la proposition que je vous engage à rejeter en priorité, c'est la 2, évidemment. Bon. Quoi qu'il en soit, certaines couches du Coran qui affichent des idées, des attitudes et des pratiques reflétant un arrière-plan chrétien ou une origine chrétienne, si vous voulez, pourrait être expliqué, je l'ai dit, comme le résultat d'un phénomène de dissémination orale qui aurait atteint l'Arabie occidentale, d'une manière ou d'une autre, par des missionnaires, des marchands, des pèlerins. Mais sur les points 5 et 6, comme je l'ai dit, ces points-là supposent un contexte avec des auteurs connaissant fort bien les traditions chrétiennes et des interactions profondes entre les croyants et les chrétiens. Donc une approche cohérente implique d'introduire du christianisme à la Mecque et à Médine, soit d'une certaine manière de placer le Coran en dehors du Hijaz. Toute la question étant de savoir comment le faire. Je signale au passage qu'un problème similaire, ça c'est un des tout petits éléphantaux dont j'ai parlé tout à l'heure, un problème similaire c'est la présence d'éléments visiblement juifs à la Mecque, là où en tout cas selon la tradition islamique il n'y avait pas de présence juive. Mais passons. Quoi qu'il en soit, sur cette question, la position de Sinaï est très claire, je le cite. Au lieu de résoudre le problème en relocalisant le milieu coranique loin du Hijaz, cependant, il apparaît dans le fond plus prometteur de modifier l'image de l'Arabie pré-islamique dont nous avons hérité de la tradition islamique. Alors là, il y a plusieurs choses à dire quand même sur cette citation parce qu'elle est très intéressante. Alors, la première chose, c'est qu'on retrouve le même problème que celui qu'on a rencontré tout à l'heure, à savoir que c'est un tout ou rien. Hein. C'est soit le Hijaz, soit c'est ailleurs. Sinaï, vous le notez au passage, n'entend pas abandonner la conception, profondément ancrée dans la tradition islamique, du Coran comme reflet de la prédication de Mohammed. Mais il n'hésite pas non plus, cependant, à rejeter la conception islamique du paysage religieux du Hijaz, qui est pourtant tout aussi enracinée dans la tradition islamique. Je rappelle que dans les traditions islamiques, il est parfois question de chrétiens, à la Mecque par exemple. Mais, c'est un point qui me paraît important, ce sont toujours des individus isolés, toujours, pas des communautés, et ils apparaissent toujours, ces chrétiens, dans des récits à la fonction apologétique manifeste, notamment à la fonction d'authentificateur de la mission prophétique de Mohammed. En fait, si vous regardez l'argument de Sinaï, je reviens juste avant, Sinaï accepte la proposition 1, il ne discute pas la proposition 2, elle ne fait pas partie, je dirais, de son horizon. Il considère qu'il est exclu de rejeter 3, donc, très logiquement, il rejette 4. Le problème que pose la citation de Sinaï, il y a un problème supplémentaire que celui que j'ai mentionné, à savoir l'idée de tout ou rien, c'est qu'à le lire, on a l'impression que la raison majeure que l'on a de considérer que l'Arabie occidentale, à l'époque de l'islam, ne connaît pas de présence chrétienne autre éventuellement que marginale, ce serait la tradition islamique. Ce qui n'est pas vrai. La raison majeure que nous avons de considérer qu'il y avait beaucoup de chrétiens, enfin, la raison majeure que nous avons de rejeter l'idée qu'il y avait beaucoup de chrétiens dans cette région-là, c'est le fait que nous n'avons pas le moindre indice de leur présence.
C'est un point que je tiens à rappeler. Ce n'est pas parce qu'on serait naïvement en train de suivre la tradition islamique, qui, au demeurant, je le dis au passage, ne se trompe pas tout le temps, loin de là, sinon ce serait beaucoup trop simple. On ne peut pas non plus dire que la tradition islamique, par exemple, aurait décidé d'enlever les chrétiens de la Mecque et de Médine parce qu'il faudrait que le Coran naisse dans un milieu purement polythéiste. Parce que les juifs y sont tout aussi monothéistes que les chrétiens, donc ce n'est pas une bonne explication. Une explication assez plausible, ce serait effectivement que la présence chrétienne à cet endroit-là était, pour le coup, au mieux marginale. Et en l'état de notre documentation, nous n'avons aucun moyen d'affirmer une présence chrétienne autre qu'éventuellement marginale à la Mecque ou à Médine à cette époque-là. C'est ça la raison majeure. Et je rappelle un point important, quand vous lisez les travaux d'historiens du christianisme antique, et notamment du christianisme arabe de la fin de l'Antiquité, qui écrivent des travaux qui ne sont pas en lien avec les études coraniques, aucun ne vous dit qu'il y avait des chrétiens à la Mecque ou à Médine. Hein, si vous prenez le chapitre entier sur les chrétiens arabes dans l'ouvrage collectif que Greg Fisher a édité en 2015, Arabs and Empires in Antiquity, vous avez une septantaine de pages sur le christianisme, sur les arabes chrétiens de la fin de l'Antiquité, qui parlent de beaucoup d'ailleurs de communautés arabes ou arabophones à différents endroits. Il n'y a pas une fois dans ce chapitre la mention de la Mecque ou de Médine. Si vous prenez l'ouvrage classique de Theresia Einthaler là-dessus, ben elle arrive à la fin du livre, elle dit ben « Par contre, là, on a vu effectivement des chrétiens, Al-Hira, dans l'Arabie romaine ou ailleurs, sur la côte orientale de l'Arabie, mais sur la Mecque et Médine, non. » Et même Irfan Shahid, qui est pourtant parti parfois assez souvent, je dirais, assez optimiste dans l'usage des sources et assez optimiste pour voir des chrétiens, même là où il n'y en a pas forcément, reconnaît que non, dans le meilleur des cas, c'est très marginal. Donc, la question ne peut pas être si facilement résolue en abandonnant la prémisse 4. Alors, un des arguments parfois que l'on me dit, c'est qu'on sait très peu de choses, effectivement, c'est très peu de choses sur la Mecque et Médine à l'époque. Je confirme, mais ce n'est pas parce que l'on sait très peu de choses qu'on peut se permettre d'imaginer n'importe quoi. L'approche consistant ainsi à faire de la Mecque et de Médine, et notamment de la Mecque, parce que une sorte d'Édesse ou de Jérusalem chrétienne en plein milieu de l'Arabie n'est nullement corroborée par ce que nous savons ou ce que nous pouvons légitimement supposer à propos de l'Arabie occidentale à l'époque. En l'état de notre documentation, alors évidemment, la documentation peut changer si on découvre des choses, ça va absolument de soi, mais en l'état de notre documentation, faire de la Mecque une sorte d'Al-Hira, d'Édesse ou de Jérusalem, comme je l'ai dit, au milieu du Hijaz, avec des lettrés et des communautés chrétiennes substantielles, n'est pas justifié. Le problème n'est d'ailleurs pas seulement géographique, on va y revenir très bientôt. La question n'est pas seulement de savoir si on a des chrétiens dans la zone en question. La question est de savoir quel type de chrétien. Je ne vais pas discuter de la question des hérésies, ou de communautés chrétiennes éventuellement professant des dogmes différents du christianisme standard, mais la question, c'est une question plus, je dirais, socioculturelle. Hein, avait-on ou pouvait-on avoir des chrétiens dans cette région, et qui plus est, des chrétiens lettrés? Alors, vous me direz, mais oui, mais Raqqa ben Nawfal, dont la tradition nous dit qu'il traduisait les livres saints, bon, c'est très bizarre, c'est quelque chose qui ne correspond pas, qui est plutôt, on va dire, une figure apologétique, on aura l'occasion peut-être d'y revenir si vous voulez, à mon avis, qu'une figure historique. Donc, voilà le deuxième problème sur lequel il y a effectivement beaucoup à dire, c'est-à-dire le fait que certains aspects de l'arrière-plan chrétien du Coran sont très difficiles à expliquer dans le cadre du paradigme, entre guillemets, traditionnel. Je passe maintenant au
troisième point, donc c'est l'autre gros éléphant, peut-être un peu moins gros que le précédent, mais l'autre gros éléphant. Alors ce point, en fait, vous allez voir le paradoxe bientôt, apparaît une fois que l'on combine deux types de réflexions. Alors ce que j'ai mené, même si je ne suis pas le seul à avoir travaillé dans cette direction-là, dans mon article de l'an dernier sur le Coran et le problème synoptique, et ce que Stephen Shoemaker a mené dans le chapitre 5 d'un ouvrage à paraître, qui devrait paraître, en plus qui sera en libre accès, donc vous n'aurez pas, vous pourrez télécharger gratuitement le PDF. L'ouvrage paraîtra en principe en novembre. Alors je peux en parler d'autant plus qu'en fait cet ouvrage est le fruit du travail évidemment de Stephen, mais de discussions très nombreuses que nous avons eues ensemble, puisque j'ai dû lire, je crois, chaque chapitre au moins deux fois, plus le volume final également. Donc c'est un travail dans lequel nous avons beaucoup échangé. Et c'est un travail qui, je crois, marque une nouvelle étape dans les recherches coraniques. Alors, on va expliquer rapidement, j'explique aussi rapidement en quoi consiste le chapitre 5 chez Shoemaker. Il reprend un certain nombre d'études de différents collègues, notamment Michael McDonald, sur la question de la littératie et de l'oralité en Arabie, à la veille de l'islam, différentes études. Alors voici le paradoxe en question. Vous voyez que les propositions 2 et 3 ne changent pas, et puis que les propositions 1 et 4 ont changé, mais ont évidemment des liens avec le paradoxe précédent. Donc j'explique rapidement de quoi il s'agit. Alors la thèse 1 est en fait une conséquence directe des analyses que j'ai menées dans l'article sur le problème synoptique. Et donc je renvoie pour plus de détails à cet article. Alors, qu'est-ce que le problème synoptique dans le texte coranique? C'est une façon c'est un phénomène dans le Coran qu'on retrouve également dans la Bible ou le Nouveau Testament, à savoir c'est le fait que le Coran contient de nombreuses histoires parallèles. Vous avez très souvent dans le Coran la même histoire qui est racontée plusieurs fois. C'est pareil dans la Bible, c'est pareil dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, à savoir ceux de Marc, Matthieu et Luc. Vous avez des histoires similaires qui sont racontées à de multiples reprises. Et donc vous pouvez les mettre en parallèle dans des colonnes et les comparer. Une question qui s'est posée était évidemment la question de savoir comment expliquer la présence dans le texte coranique de ces versions parallèles. Une hypothèse qui a longtemps circulé était l'idée qu'on avait affaire à la transcription ou la trace de différentes récitations d'un même sermon. Mais pour tout un ensemble de raisons, cette explication très souvent ne convient pas. Et l'hypothèse la plus plausible est qu'on a en fait affaire à un phénomène de révision et de reprise successive d'une même histoire qui peut être réutilisée, adaptée, éventuellement modifiée dans le cadre d'une nouvelle composition. Donc ce n'est pas un même sermon ou un discours, si vous voulez, politique ou religieux, relativement improvisé, qui serait transcrit très vite ou remémoré par l'audience et donc qui apparaîtrait à différents endroits du corpus, mais pour tout un ensemble de raisons qui sont expliquées par différents auteurs, pas simplement d'ailleurs par mon article, l'explication la plus plausible est qu'on a plutôt affaire à la reprise d'un texte que l'on révise, adapte, éventuellement modifie dans d'autres compositions coraniques. Une fois que c'est fait, la question qui se pose, c'est de savoir si ce phénomène de recomposition, il fait simplement appel à l'oralité, ou s'il suppose un phénomène de réécriture, c'est-à-dire l'usage d'un médium écrit. Et en comparant deux passages, les versets 71 à 85 de la sourate 38 et les versets 26 à 43 de la sourate 15, on constate que la quantité d'accords verbatim, c'est-à-dire d'accords mot à mot, entre textes parallèles et entre deux textes supposés traditionnellement être mécois, implique le recours à un document écrit lors du processus de composition de la sourate la plus tardive. Les arguments sont fondés sur ce que nous enseignent aussi bien les expériences de psychologie et de psychologie de la mémoire que les études ethnologiques.
Lisez ce que dit Jack Goody sur l'oralité, ou les découvertes parfois surprenantes de Goody sur les variations de récitation d'un texte même bref lorsqu'il n'y a pas de médium écrit. On sait aujourd'hui beaucoup mieux, peut-être qu'à une époque, que contrairement à ce qu'on a un mythe très largement répandu, les sociétés non lettrées, les sociétés orales, ont moins de mémoire que les sociétés de l'écrit. Et notamment, le concept de mémoire verbatim est quelque chose qui ne fait sens que dans le cadre de l'écrit. Ça, c'est donc le premier point qu'on pourrait développer pour d'autres sourates. Alors, je rappelle aussi un point en passant qu'il est important de noter. Le fait que les similitudes et les accords mot à mot très nets entre deux textes impliquent, avec une très forte probabilité, pour ne pas dire plus, un recours à l'écrit, ne signifie pas que quand vous avez deux textes parallèles mais assez différents, ça s'explique par l'oralité. En fait, ça peut s'expliquer par l'oralité, mais parfois aussi, le recours à l'écrit est possible. Et les différences considérables sont simplement dues aux décisions des auteurs. Personnes qui suivent mon séminaire d'histoire des religions à l'ULB ont eu une conférence il y a trois jours, justement, de Lorenz Stuckenbrock, qui a étudié les processus de composition dans les manuscrits de la Mer Morte, et où on voit que des différences considérables entre textes parallèles passent pourtant par un médium écrit et pas par l'oralité. Donc il y a une asymétrie, si vous voulez, dans ces questions-là. C'est plus facile de prouver ou en tout cas d'établir avec de très fortes probabilités qu'il y a eu un recours à l'écrit que de prouver qu'il n'y en a pas eu. Bon. Quoi qu'il en soit, si on admet cette thèse numéro 1, que l'on tient à la thèse numéro 2 et que l'on tient à la thèse numéro 3, alors on devra conclure que l'Arabie occidentale était alors une société suffisamment lettrée pour qu'il soit envisageable que des parties substantielles du Coran soient mises par écrit du vivant de Mohammed. Bon, vous me direz, il y a des traditions islamiques qui semblent dire cela, d'autres qui semblent dire le contraire. On trouve des récits extrêmement divergents à ce sujet. Or, on peut se demander si, dans quelle mesure, cette éventualité, celle qu'une partie substantielle du Coran, ou en tout cas importante, ait été mise par écrit du vivant de Mohammed, on peut se demander dans quelle mesure cette éventualité est plausible. Et c'est ici qu'il faut revenir à la thèse numéro 4, telle que la développe Shoemaker dans son ouvrage Apparaître, en se fondant sur les travaux de Michael MacDonald, dont il note qu'ils ont été très étrangement négligés dans les études sur le Coran. Alors que peut-on dire des sociétés de la péninsule arabique à la veille de l'islam en termes de littératie et d'oralité ? Il est admis que ces sociétés sont fondamentalement orales, mais que l'écrit y est aussi présent, ce dont témoignent les innombrables inscriptions. Mais pour y voir plus clair, il importe d'apporter quelques précisions. Il faut d'abord définir, et là je vais parfois employer l'anglais parce que les termes français ont des connotations parfois plus problématiques. Il faut d'abord définir la notion d'illiterate society, société donc sans littératie si l'on veut, qui est logiquement le contraire d'une literate society, une société à littératie. Je ne dirais pas une société alphabétisée, mais une société à littératie. Qu'est-ce qu'une société à littératie, si vous voulez? C'est une société dont les transactions quotidiennes dépendent de l'alphabétisation d'au moins une partie de ses membres. Ce n'est pas une société forcément où tout le monde sait lire et écrire. C'est une société où les transactions quotidiennes ou une partie des transactions quotidiennes, notamment cruciales, dépendent de l'alphabétisation d'une partie de ses membres. La France du XVe siècle est une société literate en ce sens-là, même si la majeure partie des gens ne savent ni lire ni écrire, par exemple. Donc il faut distinguer la connaissance de l'écriture de l'usage social qui en est fait. Donc, une société illiterate, si c'est le contraire, une société literate, donc parler de société illiterate ne signifie donc pas que personne ne sait lire ou y écrire, ou que l'écriture y est inconnue. Cela signifie que les activités centrales
sociale, commerciale, juridique, etc., de la communauté ne passe pas par l'écrit. Un bon exemple, c'est les sociétés de Touareg, que par exemple Dominique Azajus a étudié, où les gens savent souvent écrire et n'hésitent pas à employer l'écriture sur des rochers ou sur le sable, comme passe-temps par exemple, mais où les tâches, les transactions centrales de la société ne passent pas par l'écrit. Dans ce type de société, les textes écrits seront souvent brefs et assez stéréotypés. Les sociétés nomades de l'Arabie du 7e siècle relèvent certainement de cette catégorie. Dans le monde jaffnide plus au nord, donc ce qui correspond grosso modo à l'ancien monde nabatéen, nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle et la Jordanie, on a affaire à une société avec un degré de littératie plus élevé, bien qu'encore modeste. L'écriture est pratiquée par une minorité de personnes, mais notamment l'écriture de l'arabe, puisque la pratique de l'écriture sur un support souple explique l'évolution de la graphie arabe que nous pouvons reconnaître sur les inscriptions, qui, elles, évidemment, sont sur des supports durs, sur la pierre. En Arabie du Sud, on trouve aussi un usage de l'écriture plus important, hein, avec des inscriptions monumentales, des graffitis, mais aussi ce que Christian Robin appelle des documents de la pratique, à savoir des correspondances, contrats, listes de mémoire, qui sont effectivement écrits sur des supports comme les tiges de palmier, et avec le rôle de scribes publics, je dirais, qui savent écrire et mettent par écrire un certain nombre de textes. En revanche, et c'est un point important, et je reprends ce que dit Robin, dans les matériaux qui nous sont parvenus, on notera l'absence totale de textes littéraires, de chroniques, de traités, de pièces poétiques, de mythes ou de rituels. L'Arabie du Sud est donc bien marquée par la littératie pour certains aspects de ses pratiques sociales, et ne l'est pas pour d'autres, en tout cas d'après notre documentation. Qu'en est-il maintenant donc de l'Arabie occidentale, de ce Hedjaz central et notamment de la Mecque ? Alors à ma connaissance, nous n'avons pas d'inscription ni de graffiti antérieurs à Mohammed aux alentours de la Mecque. On a des graffitis qui datent de quelques décennies après l'époque prophétique, mais nous n'avons pas, à ma connaissance, de graffitis ou d'inscriptions aux alentours de la Mecque qui dateraient d'avant l'époque de Mohammed. La nature de la société mécoise, un peuplement modeste si l'on suit les dernières hypothèses, suggère que l'on penche nettement vers une société illiterate. Et un point effectivement qui est important ici, qui est de rappeler le fait que on a certaines régions de l'Arabie pour lesquelles nous avons une certaine documentation qui nous permet plus ou moins prudemment, enfin, qui nous permet quand même d'avoir quelque idée des pratiques. Il y a d'autres régions comme l'Arabie occidentale pour laquelle nous avons beaucoup moins de documentation. La question qui se pose est de savoir, est-ce que l'on peut extrapoler des régions, par exemple, comme l'Arabie du Sud, où nous avons des documents substantiels, vers une région comme l'Arabie occidentale, où la documentation fait défaut. Une telle extrapolation est toujours une manœuvre délicate, mais elle est d'autant plus délicate, elle est moins délicate, si vous voulez, elle est moins délicate si la zone considérée, celle donc vers laquelle on extrapole, possède un niveau d'organisation sociale et économique similaire à celui de la zone à partir duquel on extrapole. Dans le cas qui nous intéresse, le niveau d'organisation sociale et économique n'est visiblement pas le même. Donc l'extrapolation est une manœuvre particulièrement risquée. Autrement dit, ce que je veux dire, en gardant à l'esprit le fait que nous sommes ici sur des notions où beaucoup de choses se passent dans le cadre, je dirais, d'évolution par degré, sur un continuum, pas nécessairement totalement d'une tout ou rien, mais l'hypothèse par défaut, celle que l'on devrait adopter par défaut, si l'on regarde ce que nous avons dans notre documentation indépendamment du Coran, l'hypothèse par défaut serait que le développement de ce qui va devenir le Coran durant la carrière de Mohammed dans le Hedjaz, quelle que soit la portion du corpus qui remonte à cette époque, l'hypothèse serait donc que ce développement se fasse dans un contexte résolument oral. Et l'oralité serait même apparemment
devrait être en principe le seul médium impliqué à la Mecque. C'est plus complexe pour Yathrib, pour Médine, notamment parce que nous avons un texte supposé être mis par écrit, la charte donc de Médine. Notez que c'est pour le coup un document de la pratique, au sens de Robin. C'est pas un texte, ça relève pas d'un rituel, ça relève pas d'une narration, ça relève pas d'un mythe. C'est un document de la pratique. Or, ce rôle de l'oralité qui est visible dans le Coran est reconnu par les chercheurs. Mais à côté de cet aspect oral, il y a aussi, comme je l'ai indiqué précédemment, un aspect scribal dans la jeunesse du Coran, y compris dans des textes traditionnellement considérés comme mécois. Vous savez sans doute que j'ai les plus grandes réserves, justement, sur la dichotomie mécois-médinois, mais passons. Mais à côté de cet aspect oral, il y a aussi un aspect scribal, y compris dans des textes considérés comme mécois, ce qui suppose des pratiques qui, d'après ce que nous semblent nous indiquer nos documentations, des pratiques qui ne vont absolument pas de soi dans le contexte socioculturel de la Mecque. Alors certes, un recours à l'écrit, à la Mecque ou à Médine, ne peut pas être exclu. Peut-être a-t-on utilisé des aides-mémoires ou des supports de fortune, comme la tradition islamique semble l'indiquer, mais il ne peut pas non plus être présupposé comme allant de soi. Et mon propos, je veux être très précis là-dessus et très clair, n'est pas de trancher ces questions. Parce que je ne suis même pas certain qu'on puisse, en l'état actuel des choses, les trancher. Mais mon propos est simplement d'alerter sur l'importance de ces questions. Il y a en effet, dans tout un courant de la recherche, une tendance à supposer une mise par écrit très tôt du corpus coranique, voire à faire de la Mecque et de Médine des lieux où l'on pouvait trouver une culture scribale, finalement, dès le 7e siècle ou dès l'époque de Mohammed. Ça va de pair avec une tendance très discutable et beaucoup moins justifiée que certains ne le pensent, notamment sur Twitter, qui est devenu pour certains collègues un lieu de réflexion, mais de manière assez, je dirais, détestable pour la pratique académique, parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Mais cette question de la datation des plus anciens manuscrits ou autres, effectivement, si on suppose que les manuscrits sont mis très tôt et qu'une culture scribale existe très tôt, ça pose un problème par rapport à quand même ce que différents éléments semblent nous indiquer du contexte socioculturel de la Mecque, et éventuellement de Médine. Bien, alors comment expliquer toutes ces tensions? Alors je serais tenté de vous dire que la première chose à faire, c'est de les prendre au sérieux. Alors je voudrais, bien malgré moi d'ailleurs, faire un peu de polémique dans les quelques minutes qui viennent, avec cette citation d'un article récent d'Angelika Neuwirth, qui est donc la chef de file, si l'on veut, de l'école berlinoise. Je vais un peu discuter cette citation tirée d'un article récent. L'image conventionnelle, donc, l'approche de Neuwirth, c'est de minorer les tensions entre le côté le contexte religieux, lettré, scribal que le Coran semble indiquer, et les contextes de la Mecque et de Médine. L'image conventionnelle, dit-elle, du Hijaz vide n'a été corrigée que dans la science la plus récente, grâce à Peter Brown, Glenn Bowersock, Christian Robin, Garth Fowden, James Montgomery, Robert Hoyland, Jan Retzeux et d'autres, qui ont fourni des indices historiques, épigraphiques et iconographiques du fait qu'un transfert de la connaissance tardo-antique venant à la fois des régions au nord et au sud de l'Arabie a eu lieu durant les siècles précédant l'apparition du Coran, bien que notre connaissance de ces processus soit encore incomplète. Voilà la citation. Notez que, encore une fois, et j'y reviens, cette citation ne parle pas des transferts culturels entre une partie importante de la péninsule arabique et les régions avoisinantes. Elle parle du Hijaz et des régions avoisinantes. Et dans sa note de bas de page, puisque Neuwirth cite plusieurs auteurs, elle cite un certain nombre de travaux. Elle ne cite pas d'ailleurs Montgomery, mais sinon elle cite les travaux suivants. Alors, ce qu'il faut noter, et là c'est un petit conseil pour les étudiants qui sont présents, il y en a quelques-uns. Quand vous lisez une note de bas de page où chacune des références est donnée avec, en gros, bon,
l'ouvrage et le titre dans le cas présent, c'est en fait la date de publication, mais que vous n'avez pas la moindre référence à une page précise. Les seules pages, c'est pour l'article de Robin, mais qui en fait une septantaine. Vous n'avez pas la moindre référence à une page précise qui montrerait quelle évidence a été fournie par tel auteur pour la thèse défendue. Maintenant, si vous regardez les textes, le livre de Peter Brown ne dit pas un mot de la péninsule arabique. Le livre de Bowersock parle des provinces arabes de l'Empire byzantin, grosso modo la Jordanie actuelle. Le livre de Fauden parle d'un site qui date du deuxième quart et du milieu du 8e siècle, situé en Jordanie. Le livre de Retze ne discute pas vraiment la question, et en plus, je dirais, a parfois été critiqué pour aller plutôt dans le sens inverse, je dirais, et pour insister sur les particularités de l'Arabie, et n'insiste pas spécifiquement sur, justement, ces transferts culturels et compagnie. L'article de Robin, il y a effectivement un passage où Robin reprend l'image classique de Muhammad comme un commerçant aisé, conduisant des caravanes en Syrie et au Yémen, mais en fait, il n'argumente pas et se contente de faire référence à un article daté de 1977 de Hamidullah, donc un article antérieur aux travaux de Krohn. Alors, il y a quelques indices éventuellement qu'on pourrait trouver, par exemple, chez Hoyland et Montgomery, mais quel type d'indice ? Si vous allez chez Hoyland, le type d'indice que vous trouvez chez Hoyland, qui, ou précise, Hoyland n'affirme nullement la thèse que Neuwirth lui fait soutenir. Mais si vous cherchez dans le livre de Hoyland un passage qui peut-être pourrait aller dans le sens, ça sera par exemple une citation du Kitab al-Arani de al-Isfahani, donc un auteur du 10e siècle, qui mentionne une tradition à propos de la présence à la cour jaffnide au début du 7e siècle de 5 chanteuses venant du monde byzantin, de 5 autres venant d'Al-Hira et de chanteurs arabes venant de la Mecque et d'ailleurs. Bon, la plausibilité de ce genre de tradition qui circule oralement qui n'est réellement établie par pas grand-chose est quand même très limitée. D'accord ? Donc, voilà le problème que nous avons, c'est-à-dire qu'on nous dit que la recherche a totalement réfuté cette image du Hijaz vide, mais on ne nous apporte jamais d'éléments sérieux. Dans un ouvrage récent, c'est vrai, Bowersock développe l'idée selon laquelle Makoraba était bel et bien la Mecque. Vous savez que Ptolémée mentionne Makoraba et dit que c'était la Mecque. L'argument a été réfuté par un très bel article de Yann Morris en 2018. Le livre de Bowersock, tous les gens que je connais travaillant sur ces questions, personne n'est convaincu et le livre est vraiment considéré comme étant, c'est The Crucible of Islam, l'article, le livre en question, le livre est vraiment très mal considéré par les collègues que je connais, mais qui n'osent pas le dire pour des raisons un peu politiques. Je connais même le cas d'une jeune chercheuse qui a fait une recension très critique de cet ouvrage, mais dont le promoteur, qui est d'ailleurs l'un des noms qui sont présents ici, mais dont le promoteur lui a dit « Non, surtout tu ne publies pas ça, sinon tu n'auras jamais de poste. » Voilà. Voilà un peu les problèmes. Donc en réalité, il faut quand même rappeler les choses. Les arguments qui nous disent « Mais non, on a un Hijaz en plein imprégné, impliqué dans les réseaux commerciaux, religieux, culturels, scientifiques quasiment, de l'époque tardo-antique, non. C'est pas établi par notre documentation. L'argument que j'ai parfois, qui m'est parfois donné, c'est de dire, mais la preuve que c'est établi, c'est le Coran. Puisque le Coran le présuppose. Ce qui s'appelle évidemment un argument parfaitement circulaire. Autrement dit, assimiler le paysage religieux et social de l'Arabie occidentale, et notamment de la Mecque, à celui de l'Arabie du Sud, point quand même important. Il y a évidemment énormément de choses que nous ignorons sur le Hijaz pré-islamique. Et l'idée que nous faisons de cette région peut être modifiée, évidemment, à mesure que la documentation évolue.
réponse d'un collègue à la question « Mais comment vous expliquez que au sud de telle zone, il n'y a plus du tout d'inscription chrétienne, alors qu'il y en a plein au nord de telle zone, et notamment qu'il n'y en a pas aux alentours de la Mecque ou Médine ? » Réponse, je ne dirai pas de quel nom il s'agit, mais c'est quelqu'un de connu. On va en trouver. Bon, ça fait quelques années qu'on n'en trouve pas, mais ce n'est pas grave. Bon. Donc, il ne s'agit pas non plus pour moi de nier le fait qu'il y ait eu des relations entre les Hedjaz centrales et d'autres régions de l'Arabie. Il n'y a plus à en avoir, évidemment. Mais de quel type et autre chose, ni de revenir à l'image stéréotypée, selon les cas romantiques ou polémiques, des Bédouins. Mais assimiler le paysage religieux et social de l'Arabie occidentale, et notamment de la Mecque, à celui de l'Arabie du Sud, ou de la région d'Al-Hira, par exemple, ou des territoires jaffnides, sans parler de la Syrie ou de la Palestine, n'est pas étayé par la documentation disponible, ce qui n'est guère surprenant. La Mecque et Médine, deux peuplements modestes, rappelons-le, étant distantes de ces régions de plusieurs centaines de kilomètres et séparées par des zones désertiques. Autrement dit, cette assimilation de la Mecque et Médine à d'autres régions est plus affirmée que prouvée, et elle est surtout le fait d'extrapolation, que ce soit à partir d'autres régions de l'Arabie, ou à partir de l'image postérieure que la tradition islamique se fait de la Mecque, ou à partir, dernier point très important pour notre propos, ou à partir du contexte que le Coran lui-même semble supposer. Et le modèle de raisonnement à l'œuvre derrière cette toute dernière attitude est très problématique. On part du principe que le Coran a un lieu de naissance bien précis. Ensuite, on applique à ce contexte, de manière parfaitement circulaire, ce que le Coran semble indiquer sur son contexte supposé. On présuppose finalement que nous avons peu ou prou des sortes d'instantanés de situations de communication réelles ayant eu lieu à un certain moment, dans un certain lieu, instantanés qui auraient été transmis, tels des rapports écrits sur le fait, de manière fiable et ininterrompue, et reflèteraient la situation psychologique et l'expérience spirituelle de Muhammad. C'est un peu ce que j'appelle, ceux qui connaissent mes cours ont peut-être déjà entendu, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome foudre bénie, pour ceux d'entre vous qui connaissent Tintin au Tibet. Vous rappelez Tintin au Tibet, dans la lamasserie, foudre bénie, donc l'un des lamas, tout à coup, est en lévitation. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Et le capitaine Haddock cherche à s'emparer de son appareil photo pour en donner un instantané, précisément, pour le coup, de cet événement, sinon on ne le croira pas. Bon, l'image qui est parfois impliquée, c'est que dès que Mohammed a une révélation, les gens devaient se mettre à sténographier ce qu'il écrivait pour le conserver. C'est l'image qui est impliquée quelque part, mythologiquement évidemment, mais qui est à l'œuvre dans la manière dont toute une partie de la recherche a longtemps envisagé ce qu'était le texte coranique. Il convient cependant de rappeler l'évidence, à savoir que la transmission, avec tous ses aléas d'une proclamation orale et son passage à une mise par écrit, a fortiori si cette mise par écrit n'est pas immédiate, soulève de nombreux enjeux. Ce dont nous disposons, et il faut partir en bonne méthode historique du document que nous avons et prendre en compte ses spécificités, ce dont nous disposons, ce sont des textes écrits, mis par écrit très certainement après la mort de Mohammed, rassemblés après la mort de Mohammed dans des contextes qui ne sont plus ceux de la prédication, des textes écrits particulièrement opaques, qui possèdent plusieurs strates, et dont certaines présentent, avec des outils rhétoriques variés, et selon une perspective déterminée, le messager coranique, son activité et son investiture divine. Ce que nous avons est donc bien le résultat d'un choix ou d'une sélection. Alors, choix implique un côté délibéré et ça a pu jouer un rôle. Sélection, ça peut se faire de manière inconsciente, non délibérée. Choix et sélection qui a été opéré progressivement à l'intérieur d'un certain nombre de textes qui peuvent être d'origine variée et qui, même dans les cas où ils remonteraient d'une manière ou d'une autre à Mohammed, ne doivent pas être considérés d'emblée comme la reproduction fidèle des paroles de Mohammed, mais doivent avant tout être vus comme la manière dont les communautés successives des croyants se sont remémorées de telles paroles. Et ce n'est pas la même chose. Petit travail ou discussion sur la mémoire sociale et la mémoire culturelle, et la mémoire tout court d'ailleurs, est ici quelque chose d'important. Vous en trouverez d'ailleurs
Vous trouverez d'ailleurs de longs développements là-dessus dans l'ouvrage de Shoemaker. Il y a ainsi toute une série de filtres, attribution des paroles, contexte, contenu, ordre des textes, organisation du corpus, des sourates, sélection entre différents textes, qui opèrent et qu'il importe de garder à l'esprit si on veut réfléchir adéquatement au contexte, au pluriel, du corpus coranique. En d'autres termes, le Coran n'est pas un miroir de la prédication de Mohammed qui rassemblerait l'ensemble des croyances, idées, normes, pratiques de la communauté primitive. Croyances, normes, idées qui auraient fait l'unanimité et auraient été abondamment connues par les croyants. Le Coran est de la rhétorique avant tout. C'est-à-dire qu'il reflète avant tout le projet des personnes responsables de la production du texte, ce qu'elles ont pu garder et ce qu'elles n'ont pas pu ou su garder, sans compter ce qui a pu être ajouté, et aussi ce qu'elles ont choisi de garder et de ne pas garder, pour diverses raisons. Si l'on veut comprendre donc la forme actuelle du corpus coranique, le préalable est de faire de la critique des formes, de la critique de la rédaction, c'est-à-dire de regarder comment le texte a pu se développer, quelles sont ses différentes strates, quels sont les procédés éditoriaux impliqués dans telle ou telle strate. Un exemple très simple que je peux vous donner, il y a plusieurs cas où on peut faire une sorte de chronologie relative de différents passages coraniques. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, les versets 1-33 de la sourate 19 ont été écrits d'abord, puis après, on a composé les versets 33-63 de la sourate 3, et puis encore plus tard, on a composé les versets 34-40 de la sourate 19. On peut le montrer, sur la base de la critique de la rédaction. J'aurais tendance à penser que le texte le plus ancien était composé après les conquêtes, mais je parle simplement ici de chronologie relative. On peut montrer également que le récit sur la chute d'Adam dans la sourate 7 a été composé d'abord, que vraisemblablement le récit sur la chute d'Adam dans la sourate 20 a été composé ensuite. Ça ne veut pas dire que la sourate 20 a été composée après la 7, c'est plus compliqué, parce que le récit sur la chute d'Adam dans la sourate 20, c'est un ajout tardif dans la sourate 20. Mais passons. Le récit sur la chute d'Adam dans la sourate 7 a été composé en premier. Celui sur la chute d'Adam dans la sourate 20 vient ensuite. Et le même récit dans la sourate 2 vient en dernier. On peut le montrer. Surtout, alors, dans ce second cas, surtout pour la sourate 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence radicale dans la façon de composer ces textes entre, dans chaque cas, les deux plus anciens et le dernier. Dans les deux plus anciens, il y a des éléments parallèles qui montrent que l'auteur, qu'il soit le même ou quelqu'un d'autre, du deuxième texte, connaît le premier, mais modifie, écrit quelque chose de nouveau et, à certains égards, d'assez différent en termes d'organisation du narratif. Par contre, dans les deux derniers cas, les auteurs procèdent différemment. Ils font en fait des patchworks d'autres versets, de versets coraniques présents ailleurs dans le texte coranique ou dans les versions précédentes. Donc on peut montrer, sur une base de critique de la rédaction, qu'il y a une évolution selon les strates dans les techniques de composition qui sont employées. C'est un travail, je dirais, minimal à faire avant de discuter la question du contexte du Coran, au moins repérer les différentes strates. Tout cela ne signifie évidemment pas que le Coran n'aurait rien à voir avec le contexte de l'Arabie occidentale. Bien au contraire, je ne suis pas du tout en train de rejeter l'idée selon laquelle le Coran provient, au moins en partie, moyennant des transmissions complexes, d'une activité de mission, si l'on veut, de prédication, qui a certainement eu lieu en Arabie occidentale, évidemment. Mais vous voyez la différence entre ce que j'essaie de vous expliquer et l'idée que le Coran est purement et simplement le reflet de la prédication de Mohammed. Ce sont des choses très différentes. Tout cela donc ne signifie pas que le Coran n'aurait rien à voir avec le contexte de l'Arabie occidentale, loin de là, mais cela signifie que la relation entre le texte et son contexte, ou plutôt ses contextes, est beaucoup moins directe et simple que ne le présuppose nombre de chercheurs. Je vous remercie.